Salut le Mobilindex, c'est Maxime. Avec les derniers iPhone 12 et iPhone 12 Pro, Apple a introduit un nouveau système d'attache magnétique qui ouvre la voie pour de nombreux accessoires et permet aussi d'offrir une recharge sans fil plus rapide. Je vous ai récemment montré dans une autre vidéo le meilleur chargeur MagSafe du moment pour la gamme iPhone 12 et les futurs modèles. Et vous avez été un certain nombre à me dire, mais Maxime, j'ai acheté un chargeur MagSafe sur Amazon ou AliExpress qui est moins cher et fonctionne tout aussi bien. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils avaient en fait acheté un faux chargeur MagSafe. Ou plus précisément, il s'agit d'un chargeur sans fil traditionnel qui recharge plus lentement et intègre juste des aimants à l'intérieur pour attacher magnétiquement un iPhone de la gamme iPhone 12. Avant d'aller plus loin et de te montrer comment différencier un vrai chargeur MagSafe d'un faux, si tu le découvres avec cette vidéo, sache que mon objectif sur cette chaîne, c'est de t'aider à améliorer ta vie, ta productivité et ta santé en te faisant découvrir et adopter de nouvelles façons d'utiliser tes produits Apple, et plus spécifiquement l'iPhone, l'iPad et l'Apple Watch. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi et clique sur la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos dont certaines vont te simplifier la vie et te faire gagner du temps. Alors un vrai chargeur certifié MagSafe doit avoir les deux composantes suivantes, sinon c'est un faux. Premièrement, il faut qu'il intègre des aimants à l'intérieur qui permettent d'attacher magnétiquement l'iPhone et surtout pour aligner la bobine de recharge à l'intérieur de l'iPhone avec celle du chargeur. Et deuxièmement, il doit offrir la recharge la plus rapide en sans fil à 15 watts et donc avoir la certification MagSafe d'Apple. Un chargeur certifié MagSafe embarque une puce supplémentaire qui permet de doubler la puissance délivrée aux iPhone 12, soit du 15 watts au lieu du 7,5 watts qu'il y a sur les chargeurs sans fil traditionnels. Pour acheter cette puce, les fabricants doivent adhérer au programme Made for MagSafe d'Apple et la certification MagSafe a un coût qui se répercute dans le prix final du produit. Il est donc impossible, financièrement parlant, de proposer un vrai chargeur MagSafe à bas prix. Si vous voulez un vrai chargeur MagSafe qui recharge votre iPhone plus rapidement, il faut qu'il provienne d'une marque de confiance et établie et sur l'emballage, il doit être affiché la mention Made for MagSafe. Il ne faut pas confondre un chargeur compatible MagSafe qui embarque uniquement des aimants avec un chargeur certifié MagSafe qui embarque des aimants mais offre aussi une recharge sans fil plus rapide. À l'heure actuelle, à part les chargeurs d'Apple, Belkin est le seul fabricant tiers à proposer des chargeurs certifiés MagSafe qui rechargent les iPhone 12 plus rapidement que les autres chargeurs sans fil vendus sur le marché. Si jamais vous voyez des chargeurs se disant MagSafe sur Amazon ou AliExpress, méfiez-vous, il s'agit probablement de simples chargeurs sans fil avec des aimants. Et si jamais vous en achetez un, vous le faites en toute connaissance de cause. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressants et ne fonctionnent pas avec votre iPhone, mais juste qu'ils rechargent votre appareil plus lentement. Il y a d'ailleurs des chargeurs sans fil intéressants et abordables qui tirent parti des aimants comme ce chargeur magnétique PowerWave d'Anker qui maintient l'iPhone orienté vers le visage de l'utilisateur, ou encore ce chargeur pour la voiture auquel on attache magnétiquement l'iPhone 12 ou autre nouveau modèle, et c'est très pratique et ça fonctionne en orientation portrait et paysage. Je prévois de régulièrement vous présenter de nouveaux accessoires MagSafe, comme ce porte-carte compatible MagSafe qui est bien mieux que celui d'Apple. Et après tout, c'est le futur car tous les prochains iPhones auront à l'intérieur les aimants du système MagSafe. Pour en revenir aux chargeurs certifiés MagSafe, l'avantage c'est qu'ils sont là pour durer puisque tous les prochains modèles d'iPhone auront du MagSafe et devraient donc fonctionner avec ces chargeurs pendant de nombreuses années. Si vous cherchez un vrai chargeur MagSafe qui recharge votre iPhone plus rapidement, je vous recommande celui de Belkin que j'ai pu tester dans une autre vidéo qui s'affiche à l'écran. Et sur ce, tu le sais, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!